en manque d'infirmiers, pardon, en manque de médecins, mais les gouvernements leur interdisent de travailler. Et on en manque. C'est illogique. C'est illogique. Et non seulement on leur interdit, mais ils n'ont même pas le droit aux indemnités de chômage, puisqu'ils ne sont pas licenciés. Et ils seraient licenciés pourquoi? Pour avoir refusé un vaccin qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas définitivement approuvé. Dans quel pays on a vu ça? On s'aperçoit de quoi? Que des gens aujourd'hui, sous prétexte qu'ils ne soient pas vaccinés, dans les soins, dans le personnel soignant, ils ne peuvent plus travailler, ils ne sont pas rémunérés. Alors que c'est une vocation, alors que c'est un travail, c'est des gens qui ont fait des études. Et pourtant, malgré tout ce qui s'est passé, malgré qu'ils aient été vaccinés ou quoi, pour les gens qui travaillent encore, ils sont pas plus augmentés. Qui augmente? Qu'est-ce qui a changé dans les conditions des gens qui sont des soignants? Les hôpitaux, les lits continuent à fermer, et les hôpitaux perdent de leurs soignants, c'est-à-dire des gens, le droit de pouvoir bénéficier de ce droit qui est le soin. On a cotisé assez. J'ai envie de parler des médias qui étouffent la conscience publique. Ces grands médias qui ont leur rang de serviette à l'Élysée. Ce qui explique pourquoi les Français qui n'ont peut-être pas de temps tombent dans le piège. Et on se trouve dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et les enfants privés de soins. Voilà. Et les journalistes, les infirmiers qu'on interdit de travailler. J'ai peur pour le pays. J'ai peur. Faut arrêter de faire des clans. Et de diviser les clans, parce que l'État est très fort pour diviser les clans. Aujourd'hui, tu regardes la télé, ils vont te parler de l'islam, ils vont te parler des banlieues, ils vont te parler de la répression, ils vont te parler de l'insécurité. Ça détourne des vrais problèmes, ça oppose les gens les uns aux autres. C'est de l'ignorance, ça. Comme ça leur permet de continuer à avancer. L'important, c'est d'être unis, parce qu'on aspire tous à être heureux, on aspire tous à la même chose. Et c'est un droit fondamental, il est dans la Constitution, je suis désolé. Il est là. On a tous le droit de s'exprimer, on a tous le droit de vivre heureux, c'est un devoir et un droit. On a le droit d'avoir une opinion, hein. C'est pas le gouvernement ainsi que dans certains médias, notamment à BFM TV, sa ligne éditoriale. Alors, vous avez CNews, mais qui est la ligne éditoriale d'extrême droite. Donc, en fin de compte, on n'a pas de juste milieu, quoi, en France. Pourtant, on n'est plus à l'époque de l'ORTF, hein, les médias se sont multipliés, etc. On a le choix de regarder CNews, BFM, TF1, France 2, etc. Mais c'est toujours, en fait, les mêmes problèmes. C'est que le pouvoir a une certaine mainmise sur ces médias qui, je le rappelle, sont subventionnés, hein, parce que si les médias sont subventionnés, n'étaient pas subventionnés, ça marcherait pas. Alors que les médias, 80% des médias appartiennent à des gros groupes qui ont moyen, en fait, qui n'ont même pas besoin de ces subventions pour faire fonctionner ces médias. Et ça concerne autant l'audiovisuel, donc les médias télévisuels, que la presse écrite. Donc, en fin de compte, on vit sous une apparence de démocratie, premièrement, pour faire brièvement, parce que déjà, on est dans une démocratie représentative, c'est-à-dire, en fait, on élit des représentants. Alors, faut voir dans quelles conditions, hein, puisque, en fin de compte, c'est une démocratie gouvernée par des partis politiques qui existent en France depuis des décennies et qui changent de nom pour apparaître neuf. On a toujours les mêmes hommes politiques, il n'y a pas de pluralisme d'opinion. Moi-même, si je veux créer un parti politique, certains ont tenté l'aventure durant la présidentielle, durant la législative, mais comme ils n'avaient pas accès à des médias, évidemment, ils n'ont pas pu être élus. Donc c'est un premier point. Et puis les représentants, quand vous élisez des députés, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Ils n'ont pas de mandat impératif. Et puis deuxièmement, voilà, comme je le disais, la démocratie implique un pluralisme d'opinion, un pluralisme d'expression, d'ailleurs que ce soit d'extrême droite, d'extrême gauche, ou des opinions non politiques, mais des opinions. Et aujourd'hui, la France ne remplit plus ces conditions. C'est encore pire qu'à l'époque, quand il n'existait qu'un seul média, qu'il existait ou deux médias, voilà. Donc, la liberté d'expression est en péril, quoi.
malheureusement. Alors moi, j'avais On n'a plus que les réseaux sociaux, c'est quand même assez incroyable, on n'a plus que les réseaux sociaux pour pouvoir aujourd'hui s'exprimer librement. Heureusement qu'ils existent. Vraiment. Mais les syndicats, mais les syndicats depuis longtemps, on a dénoncé leur inertie, leur inaction, pendant longtemps, on a dit, ils coupaient l'herbe sur le pied des manifestants. Parce que ils acceptaient des compromis avec le dialogue social, avec les gouvernants. Mmh. Du coup, la plupart des salariés, ils espéraient tellement beaucoup qu'en fin de compte, du coup, ils obtenaient peu. Et ça a duré pendant trop longtemps. Et il y a de moins en moins de gens syndiqués, il y a de moins en moins d'usines, il y a de moins en moins de production dans ce pays. Je parle métallurgie, usine. Il y a Isabelle qui nous dit il y a le syndicat Gégi. Oui, bien sûr. Ouais, mais eux, ils sont en train. Syndicat Gilets jaunes, ils sont en train de montrer l'exemple à suivre, ce que les syndicats devraient faire. Le seul espoir que j'ai, c'est quand ça va mal pour tout le monde, à ce moment-là, les gens comprennent. C'est dans la peine, dans la difficulté, que les gens sont plus solidaires. Tant que ça va pour certains, ceux-là, tu ne les verras pas. Alors, pour celles et ceux qui nous entendent, vous pouvez vous abonner sur le syndicat gj.fr. Ouais. Voilà, pour mais dans tous les cas, il s'est passé quelque chose dans la dernière manifestation qui était mardi, où les syndicats ont fait bloc avec les gens qui étaient devant. Oui. Ça, c'est déjà plutôt encourageant. Mais ça n'enlève pas tout ce qu'il y a eu avant. Ce qu'on avait vu à dernière. Mais oui, parce que les syndiqués, c'est pas les syndicats. Les syndiqués, c'est des gens qui veulent défendre leurs droits par une manière ou une façon légale. Tu vois? Mais les syndicats, les cadres, ceux qui dirigent, il est temps de vous réveiller. Depuis 4 ans, on dénonce. Depuis 4 ans, on vous a attendu. Il est temps. Mais c'est pas que les syndicats, c'est tout le monde. Tout le monde. Si un politicien, demain, désire que l'on vote pour lui pour essayer de faire valoir le droit de qu'on va changer les choses et que eux, en les suivant, ils vont changer les choses, et qu'ils nous suivent, qu'ils nous suivent nous déjà. Le problème, c'est pas les syndicats en tant que tels, c'est les leaders syndicaux. Après, les syndiqués, ils font un travail formidable dans les entreprises. Après, le problème, c'est les leaders syndicaux, parce que combien même Martinez, donc le leader de la CGT a réussi sa manifestation le 18 octobre, pour dire ce qu'il a été massive. Il a cessé de nous trahir, en fait, juste avant. Il a condamné le mouvement des Gilets jaunes. Et ça, je crois qu'il faut pas l'oublier, en fait. Il défend que ses intérêts en tant que leader syndical. Je vous parle pas de la CFDT qui est, on se demande pourquoi, en fin de compte, elle pourrait participer au Conseil des ministres, la CFDT, puisqu'elle approuve, en fait, toutes les décisions des gouvernements, d'ailleurs, qu'ils soient de droite ou de gauche, ou peu importe leur couleur politique. Si un jour Marine Le Pen arrive au pouvoir, ben, ils seront, ils soutiendront Marine Le Pen. La CFDT n'est plus un syndicat, à mon sens. Ils défendent plus les intérêts des travailleurs. Ils disent qu'ils sont pour le dialogue social, mais ils se plient, en fait. Ils ont des miettes, hein, puisqu'on a vu, en fait, l'accord, en fait, majoritaire, entre guillemets, qui a été signé à Total. N'a pas été signé par Total Energy. Je vous rappelle que Total a des milliers de filiales et que Total Energy est une des filiales qui, elle, en fait, dont la CGT majoritaire qui va appeler à la grève. Donc, en fin de compte, il passe par l'intermédiaire du groupe, même si c'est techniquement compliqué, en faisant signer un accord de groupe, du groupe Total, qui a été signé par qui? Évidemment, par ceux qu'on appelle souvent, en tout cas, la CGT ou sud, les sociotraîtres, qui sont en fin de compte, la CFDT et la CGT, la Confédération Générale des Cadres. Donc, on essaye en fait de faire un leurre. Le gouvernement a dit qu'il y a eu un accord majoritaire des syndicats qui a été signé au sein de Total, ce qui est vrai et faux, mais c'est surtout c'est faux, puisque tous les grévistes en fait ne font partie en fait de la filiale Total Energy. Donc voilà, donc faut pas les syndiqués, oui. Pour ceux qui travaillent, qui font leur boulot dans les entreprises, les leaders syndicaux, non. Parce que ce qu'il faut savoir, et j'en terminerai là-dessus, c'est qu'il y a une loi en fait qui existe, qui a comme ça décidé, qui était représentative, la bande des 4 et des 5, la CGT, la CFDT, la CGC. Ce qui fait que les négociations au niveau national se font avec ces syndicats-là. Mais ils ne sont pas du tout représentatifs, parce que comme l'a dit Fauzi, il y a très peu de gens. En tout cas, il y a très peu de travailleurs qui sont syndiqués. Donc, en fin de compte, ils font partie, pour moi, les leaders, en tout cas, ces syndicats font partie de cette caste. Voilà, cette caste, cette fausse caste de syndicats qui, en fait, dialogue avec le gouvernement.
qui ne représentent pas, en fait, de toute façon, quoi qu'il arrive, la majorité des salariés dans ce pays. Alors, qui vient de rejoindre le syndicat Gilets jaunes, hein. Voilà, c'est par le petite annonce au syndiqué. La France a le taux de syndicalisation le plus faible d'Europe. Oui, mais après, excuse-moi, Jean-Luc. Le plus faible. Qui en profite ? Les multinationales. Qui en profite ? Le gouvernement. C'est pourquoi rien ne doit être fait pour diviser les syndicats. Et rien ne doit être fait pour diviser les partis politiques qui défendent les travailleurs. Je veux parler de la gauche, qui heureusement est unie aujourd'hui. Eh bien, c'est aux Français ensuite de se rappeler que c'est le peuple qui doit toujours avoir le dernier mot. Il n'y a pas que les syndicats, les journaux reçoivent des millions aussi. N'importe quel salarié aujourd'hui peut faire valoir son droit parce que les conditions de travail ne sont pas adaptées, ne sont pas celles qui devraient être. Et quand un salaire est trop bas, il n'arrive plus à en vivre, il y a un problème. Et c'est la grande majorité de l'ensemble de la population française qui travaille et qui produit. C'est parce que le gouvernement est aux ordres du grand patronat qu'il procède aux réquisitions. Le gouvernement aurait dû contraindre les grands groupes, notamment Total, à se réunir pour trouver des solutions équitables. Il ne l'a pas fait parce qu'ils veulent faire peur. Ils veulent que le peuple ait peur. Ils veulent que le peuple ne puisse pas s'exprimer. Et donc, on étouffe. Après, la vraie question, c'est comment ils arrivent à faire pression et comment ils arrivent à faire échouer des gens qui veulent manifester leurs droits, obtenir des avancements dans leur travail, dans leur vie de tous les jours, pour leur salaire. Et du coup, il faut s'appuyer sur les lois. Et c'est intéressant que Georges et David donnent leur point de vue sur ces faits. Il faut préciser que si le gouvernement peut réglementer une grève, le droit de grève, il ne peut pas faire obstacle à ce droit de grève. Il peut, par exemple, indiquer que le droit de grève, c'est sous condition que l'information ait été donnée 48 heures avant. Ça, il peut le faire. Mais il ne peut en aucun cas procéder à des réquisitions qui font obstacle au droit de grève. Parce que les réquisitions, ce sont soit des lois, on va dire des lois ordinaires, mais je n'aime pas le mot ordinaire pour une loi. Mais c'est soit éventuellement même des dispositions organiques, des lois organiques, mais en aucun cas ces lois peuvent remettre en cause les lois inaliénables et sacrées de la République et le droit de grève. Donc le gouvernement viole nos lois fondamentales. Ça, c'est des éléments de défense des salariés. C'est des éléments que les gens qui représentent le droit, les avocats ou les partis civils ou les ONG ou quoi, peuvent s'appuyer. Les syndicats, les partis politiques doivent prendre en main. On a entendu dans la presse à plusieurs reprises cette question qui a été posée. Ont-ils le droit de le faire ou n'ont-ils pas le droit? Des deux parties. Hein. Et la Constitution protège les salariés et les syndicats ou le droit de pouvoir s'opposer lorsqu'une décision n'est pas juste dans le monde du travail. Il y a aussi le droit du travail. Ça, c'est pour faire valoir nos droits. On s'aperçoit, en épluchant un petit peu et en lisant simplement la Constitution, que, du coup, c'est une entrave au droit, à la liberté de pouvoir contester les conditions dans lesquelles les gens travaillent. La condition dans laquelle les gens s'opposent par le fait de ne pas être d'accord. Oui. Des conditions dans lesquelles ils se retrouvent. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que ça soit pour le droit à manifester dans la rue, on l'a subi pendant 4 ans, le droit à pouvoir dire non lorsque un salarié est opprimé ou ne bénéficie pas de ce qu'il devrait bénéficier, de pouvoir avoir un salaire décent, de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Ça s'appelle le droit du travail, ça s'appelle le droit à la grève, ça s'appelle le droit à la liberté d'expression. Bien sûr que c'est encadré, mais c'est encadré. Non, ils peuvent pas. Exactement, ils ne peuvent pas, le gouvernement, casser une grève. Pour moi, il casse, il coupe l'herbe sous le pied des manifestants.
qu'il soit syndicat ou pas, qu'il soit syndicalisé ou pas, qu'il soit représenté par des syndicats ou pas. Le droit de pouvoir manifester son désaccord, sa révolte, est un droit fondamental. La révolte, faut pas le prendre comme un mot « je vais tout casser ». Moi, je suis révolté de voir dans quelles conditions aujourd'hui on maltraite les salariés, dans quelles conditions on paye les salariés, dans quelles conditions on les contraint et on les force par un tas d'éléments sociaux, qu'il peut être financier, qu'il peut être par le fait que il y a pas beaucoup de travail, parce que voilà, les conditions aujourd'hui sont difficiles, fait que les gens, on les contraint et on les force à devoir accepter les conditions de travail dans lesquelles on les fait travailler. Je suis désolé, mais l'esclavage a été aboli. Aujourd'hui, il faut respecter les travailleurs parce que c'est eux qui produisent. C'est ce qu'on dénonce depuis 4 ans. Depuis 4 ans, on dit simplement que les gens n'arrivent plus, pour la majorité d'entre eux, certains y arrivent, mais la majorité, on va dire, allez, pour être large, 80% de la population, n'arrive pas à vivre décemment du fruit de ce qu'il produit, du fruit de son travail. Et la répartition est mal faite. On demande une étiquette, une équité sociale. Oui. Une équité sociale pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde puisse vivre décemment, puisse pouvoir avoir des bonnes conditions. Et on le voit au quotidien pour la santé et les conséquences qu'il y a, par exemple. On a pu voir. Alors aujourd'hui, s'est posé le problème des énergies et des carburants. Mais c'est pas anodin. C'est parce que c'est devenu des produits essentiels. C'est des produits où on est tenu. Le gouvernement, les gouvernants successifs, la société est dépendante de ces énergies. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Encore raison de plus pour donner le droit à ceux qui manifestent et à ceux qui disent on n'y arrive plus. Parce qu'il n'y a pas de limite, parce que la population n'a aucun contrôle sur le prix du carburant, n'a aucun contrôle sur les prix qui sont fixés, ne peut même pas avoir le contrôle sur les taxes qui sont prises dessus. Quand on voit que le gouvernement aujourd'hui se permet de taxer, malgré que le prix de l'essence est devenu quasi inabordable pour une grande majorité de la population, et que c'est devenu un produit indispensable, on est pris, nous, en tant que simples citoyens, en tant que consommateurs, en otage. C'est nous les otages. C'est pas les grévistes qui font grève, qui prennent en otage la population. Au contraire, on les soutient. Pourquoi on les soutient? Pas parce qu'ils sont syndiqués, pas parce qu'ils font partie d'un syndicat, parce que aujourd'hui, il faut passer l'humain avant. Et aujourd'hui, ils travaillent dans des conditions où ils n'arrivent plus à vivre, à nourrir, à subvenir aux besoins de leur famille, où la richesse et la répartition des richesses n'est pas égale pour tout le monde, où ceux qui mettent juste de l'argent et ne produisent rien juste parce qu'ils ont de l'argent gagnent des milliards, et ceux qui font des profits, on va les traiter comme des esclaves. L'esclavage moderne, ça marche pas, mais on est en plein dedans. Et les gens ne peuvent pas s'arrêter de travailler. Quand ils font grève, ils font un sacrifice. Pourquoi? Parce que la vie est chère. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont tenus par des crédits, sont tenus par leur famille, par les obligations, et tout augmente. Donc voilà pourquoi il est important d'appuyer sur les textes de loi. Oui, alors le droit de révolte, c'est le droit à se révolter. C'est un droit que on doit concevoir de manière très large, qui comprend le droit de s'exprimer, hein, c'est ce que nous faisons actuellement, le droit de circuler. Le droit de circuler, c'est-à-dire le droit de manifester, d'avoir une liberté de circulation, le droit de s'exprimer dans des médias indépendants, c'est ça la liberté d'expression, c'est qu'il y a un pluralisme au sein des médias, au sein des débats, et voilà, le droit de révolter, on le conçoit de manière très très large. Alors aujourd'hui, le droit de révolter fait l'actualité parce qu'il n'y a échappé à personne, les raffineurs, il n'y a pas que les raffineurs, les fonctionnaires, certains salariés du secteur privé, en fait, ont fait un droit de grève, ont manifesté une concertation d'arrêter de travailler, ça a été une concertation collective, donc ils ont été en grève le 18 octobre dernier. Aujourd'hui, je crois qu'il y a quelques raffineries qui sont encore en grève, selon la CGT, il y a une centaine de grévistes, et le gouvernement a fait des réquisitions, c'est quand même assez extraordinaire, il a fait des réquisitions, il a réquisitionné en fait du personnel gréviste pour faire fonctionner en fin de compte certaines raffineries.
Donc pour moi, c'est une atteinte à la, au droit de se révolter. Mais je crois que Georges va nous donner beaucoup plus de détails à ce sujet. Je sais lire. Je suis aussi un constitutionnaliste qui a été amené à conseiller deux présidents de la République, François Mitterrand et François Hollande, qui ont suivi mes recommandations. Et la fois suivante, parce que François Hollande n'a pas suivi mes recommandations, il n'a pas pu se présenter aux élections. Donc, je prolonge la conversation de Maître David Libaski nous avons parlé, si vous voulez bien, des réquisitions. Alors, l'ordre de reprendre le travail donné par les autorités administratives, on sait le gouvernement, on sait Emmanuel Macron, aux travailleurs en grève, lorsque l'ordre public paraît menacé selon lui, viole le 7e alinéa du préambule de la Constitution de 1946 qui a consacré définitivement le droit de grève et pour lequel le peuple français a proclamé solennellement son attachement, consulté le 28 septembre 58, pardon, a proclamé solennellement son attachement. C'est la Constitution du 4 octobre 58. Il faut que je vous dise également que le gouvernement, que si le gouvernement peut réglementer le droit de grève, c'est sous réserve que ce droit de grève, que cette réglementation, pardon, ne prive pas ce droit de grève à valeur constitutionnelle de sa substance. Parce que aucune disposition organique, les juristes comprendront, ou législative, ne peut remettre en cause une loi inaliénable et sacrée de la République dans un état de droit. Et que le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État ose me dire le contraire. Posi. Oui. Du coup, je pense qu'il est intéressant de pouvoir consulter cet ouvrage qui permet d'avoir réponse à toutes les questions que l'on peut se poser dans notre droit. Surtout, et qui mentionne bien sûr le 7e alinéa dont on a parlé. Ben voilà, ce à quoi il s'en réfère. Donc, juste pour rappel, le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a un ou acquiert le caractère d'un service public national ou d'un monopole en fait droit et doit devenir les propriétés de la collectivité. Voilà. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer à un syndicat de son choix. Ça veut dire que dedans, dans cet ouvrage, c'est la Constitution. C'est la Constitution, oui. Vous avez tout ce qui est autorisé, tout ce qui est validé. C'est pour ça que aujourd'hui, il est important de préciser justement le fait que ce gouvernement, encore une fois, est hors la loi. Ce gouvernement muselle les gens, empêche les gens de pouvoir accéder à leurs droits, exprimer leurs droits, à contredire des décisions qu'ils sont prises et juste à faire valoir leurs droits de travailleurs, à leurs droits à l'expression, à leurs droits à manifester. Ouais. Donc, en ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne s'appuie pas sur juste une opinion qui est une opinion morale, on s'appuie sur des textes. Donc, en fin de compte, on est là, en fait, dans un cadre quand même qui est très, très restreint pour les gens qui veulent se révolter de manière évidemment conforme, de manière légale. Il ne faut pas, en fait, confondre le droit de se révolter au droit à l'insurrection. Le droit à l'insurrection, c'est issu de la première constitution de 1793, de mémoire la constitution montagnarde,
qui prévoyait en fait pour les citoyens un droit, non pas à se révolter, mais un droit à l'insurrection. Un droit à l'insurrection, c'est un droit, à faire, disons, allez, la révolution. Alors que le droit à la révolte, c'est le droit de la personne à se révolter dans un cadre évidemment légal et constitutionnel. Le problème, c'est que ce cadre légal et constitutionnel est battu aujourd'hui en brèche. On a vu pour la liberté de manifester, hein, pour la liberté de manifester, il y a une répression policière sans précédent. On a un gouvernement, des gouvernements depuis 2016, depuis la loi travail, qui instrumentalise la police à son profit, c'est-à-dire qui demande en fait aux forces de l'ordre en fait de réprimer, de massacrer entre guillemets, d'arrêter. On sait que durant le mouvement des Gilets jaunes, je le répéterai jamais assez parce que ça choque personne apparemment, il y a eu quand même 10 000 arrestations, dont plus de 7 000 arrestations préventives, c'est-à-dire des arrestations qui ne sont pas faites dans un cadre légal. On a arrêté les gens pour qu'ils puissent ne plus manifester, pour leur faire peur, pour qu'ils puissent se taire. Et malheureusement, cette répression continue concernant la liberté de manifester. Concernant la liberté d'expression, pour vous donner en fait encore une manifestation de ce cadre restreint aujourd'hui en France, la liberté d'expression, on sait que la plupart des médias sont détenus par, enfin 80% des médias sont détenus par des milliardaires. Donc ce qui veut dire en fin de compte que sur les plateaux, il n'y a même plus de débat contradictoire, c'est-à-dire on essaie d'instituer, il suffit de regarder CNews, une ligne unique, une opinion unique, où il n'y a même pas de contradiction. Donc ce qui veut dire en fait notre liberté d'expression elle est complètement brimée par des journalistes eux-mêmes et par des éditorialistes. Ensuite la liberté de circuler, parce que la liberté de circuler ne concerne pas forcément que la liberté de manifester. Moi-même j'ai vécu une répression avec Fauzi, avec d'autres. On s'est fait arrêter parce qu'on était dans la rue là dernièrement avec une journaliste qui s'appelle Emmanuel Anison de l'Obs. On s'est fait nasser, on s'est fait encadrer. On n'a pas évidemment été emmené au commissariat. Mais notre liberté de circuler, pareil, elle a été restreinte. Le droit au travail. Le droit au travail, depuis 1996, les gouvernements prennent des lois scélérates qui portent atteinte aux droits des travailleurs. Ça, c'est un fait acquis. Pareil pour la retraite, en fin de compte. Moi, je cotise depuis l'âge de 18 ans. On m'avait promis telle chose, que mes cotisations, que ma retraite serait calculée de telle façon. On me restreint encore mon droit à la retraite alors que j'ai passé un contrat social avec l'État quand j'ai commencé à travailler. Donc on vit en fait, ne parlons pas des jeunes, ne parlons pas du droit au travail avec le taux de chômage qu'il y a en France. Et en fait j'avais écouté dans une émission, parce que souvent on dit les entreprises créent de l'emploi. On se sert de ça en fait pour prendre des lois qui restreignent en fait... nos libertés, des lois qui restreignent le droit du travail, alors qu'en fin de compte, elle ne crée pas d'emploi. Et comme disait Olivier Besançon, je suis pas spécialement, j'ai pas une sensibilité politique, etc. Mais en fait, faut changer de paradigme. Les entreprises ne créent pas de l'emploi, elles achètent de l'emploi. C'est-à-dire, en fait, elles mettent une annonce au Pôle emploi, et voilà, et nous, on vend notre force de travail, aux entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en fait qu'en fin de compte, si on prend le paradigme de ce côté-là, du fait qu'en fait on vend notre force de travail un petit peu comme des esclaves, hein, sauf que bon, parce que les esclaves, quoi qu'on en dise, ils étaient certes esclaves, ils étaient maltraités, ça on est d'accord, ils étaient nourris et logés. Alors qu'aujourd'hui, nous en fait, on travaille et on n'est pas forcément nourris et logés parce que le salaire qu'on perçoit n'est pas forcément suffisant à pourvoir les besoins du foyer. Rendez-vous compte que, alors moi évidemment je suis pas un ancien, mais quand les femmes ne travaillaient pas, ce qui est évidemment révoltant, parce qu'elles n'avaient pas le droit de travailler, en fait le père de famille, le salaire du père de famille était suffisant pour subvenir en fait aux besoins du foyer, pour payer le loyer, pour scolariser ses enfants, pour les faire manger. C'était suffisant. Aujourd'hui, dans les familles, souvent, les deux sont obligés de travailler, donc au détriment de l'éducation des enfants. Et les deux salaires qu'ils perçoivent ne suffisent plus à subvenir aux besoins de la famille. Donc là, on est vraiment dans un cadre où, quand même, qui est assez restreint pour les droits et les libertés des gens, parce qu'on a le droit, en fait, quand on est, en fait, à,
à vivre décemment, hein. Je veux dire, on n'a pas demandé à être né, entre guillemets. Bon, c'est un petit peu une plaisanterie, mais en tout cas, dès le début où qu'on est, en fait, on est quasiment condamné au chômage, sauf évidemment si on est dans un milieu social qui est favorisé. Mais bon, ce qui n'est pas le cas de la plupart d'entre nous. Donc ça veut dire en fait qu'on nous condamne dès la naissance en fait à galérer, à subir des épreuves qu'on ne devrait pas subir pour pouvoir en fait manger, pour pouvoir se nourrir. Donc à mon sens, on est dans une société décadente moralement, décadente juridiquement, puisque les gouvernements en fait font des lois non pas pour les citoyens, mais pour des minorités de puissance financière et économique qui gouvernent le pays. Donc je pense que on a le droit de se révolter, évidemment, dans un cadre légal. Je ne dis pas qu'il faut aller au-delà du droit de se révolter. Ouais. Je vous invite à lire le livre d'Albert Camus, hein, L'homme révolté, qui est... Enfin, moi, je suis très fan d'Albert Camus, mais vous avez le droit de vous révolter, évidemment, dans le cadre des lois et règlements qui régissent ce droit à la révolte, même si, dans les faits, en fin de compte, les gouvernements font tout pour pas que les peuples se révoltent. Le gouvernement cherche à étouffer ce droit de grève, cherche à étouffer les revendications des raffineurs, parce qu'il sait que si les raffineurs obtiennent les 10% qu'ils demandent, c'est tous les Français qui vont vouloir les demander, les 10%, parce que c'est tous les Français qui subissent cette inflation, c'est tous les Français qui ont perdu 10% de leur pouvoir d'achat en année 2022. Tous les Français, le gouvernement le sait, il a peur. C'est pour ça qu'il veut faire vite avec les réquisitions et au niveau législatif avec le 49-3. Des textes sont votés par l'Assemblée nationale. Et le gouvernement ne retient qu'une partie des amendements. De quel droit ? Tous les amendements dans un état de droit doivent être repris. Le gouvernement viole le principe, la démocratie tout simplement. Je ne veux pas parler des principes inaliénables et sacrés. Je dis la démocratie. Je trouve que les grévistes ont été instrumentalisés. Parce que, du coup, pour éviter cette affaire qui aurait pu faire boule de neige, sous prétexte d'argumenter le fait qu'une grande majorité de la population a été gênée pour pouvoir exercer leurs habitudes, c'est-à-dire aller travailler, emmener leurs enfants, faire des choses habituelles. Il n'en est pas moins que le prix du carburant est très cher. Il n'en est pas moins que les salaires de ces gens sont trop bas par rapport aux bénéfices de l'entreprise, mais même ils sont trop bas. Parce que il y a eu une vraie pression médiatique liée par, dans un premier temps, par les gouvernants qui a été relayée par les éditoriaux, par les journalistes, sur le fait que ces gens-là étaient censés gagner 5000 euros, ce qui est complètement faux. Ils ont fait une moyenne de tous les salariés. Et donc, ce n'est pas normal, parce qu'on sait très bien qu'un cadre, un agent de maîtrise, des gens qui ont des hautes fonctions, vont toucher de gros salaires, alors que des employés de base, même avec les connaissances et la formation qu'ils ont, ils accèdent à un salaire brut de 2100 euros. Oui. Donc, c'est sûr que si on fait la moyenne de ceux qui gagnent beaucoup et ceux qui gagnent très peu, on arrive à une moyenne de 5000 euros. Sauf que ceux qui sont toujours en bas, c'est toujours les mêmes et ils le resteront. Donc, je connais pas quelqu'un qui va manifester, arrêter son travail s'il gagne 5000 euros par mois. J'en connais pas. Le seul moment où il va organiser une manifestation ou une grève, c'est parce qu'il aura subi une injustice. Parce qu'il risquera d'être licencié, parce qu'il y aura un salaire qui ne sera pas payé. Mais je ne connais pas quelqu'un qui fait grève avec 5000 euros par mois. Dans ce cas-là, il reste dans son coin et il va bien. Non, il faut soutenir ces gens-là. Oui. Et c'est ça, c'est le droit à dire non dans les conditions qu'on vous offre. Oui. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce qu'on est en majorité à le subir aujourd'hui parce que il n'y a pas d'emploi pour tout le monde, parce qu'il y a une surproposition et parce que les employeurs, les entreprises, je parle de la majorité des grosses entreprises, profitent pour ne donner que trop peu de salaire parce qu'ils ont du choix, parce qu'il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à travailler pour pouvoir vivre décemment. Et on tire vers le bas au lieu de tirer vers le haut. Et on est en pleine récession. Donc le but des gouvernants,
c'est de ne pas autoriser des augmentations légales de salaire, par exemple une augmentation du SMIC. Ils veulent pas que les gens gagnent plus d'argent, parce que ça inviterait les gens, obligatoirement, à consommer. Et comme on est dans la récession et ils produisent plus, et tout augmente, ça les intéresse pas aujourd'hui que les gens gagnent davantage, parce qu'ils vont dépenser davantage. Oui, oui. Ça, c'est un fait. On sait tous qu'on est en récession. Pourquoi les prix augmentent? Parce que quand il y a une rareté par rapport à quelque chose, ils organisent une rareté sur des produits de façon à ce que ça se réévalue, ça coûte plus cher, étant donné qu'elle est rare. Quelque chose qui est rare, il coûte plus cher. Sauf que ceux qui peuvent se l'offrir, c'est pas ceux qui gagnent peu. Comment des gens arrivent à gagner 1400 balles, 1500 balles et s'en sortir? On n'y arrive pas. Donc c'est légitime que de dénoncer pour tout le monde les conditions de travail et les revenus des gens. Et quand on voit les augmentations aujourd'hui des denrées, il est inadmissible aujourd'hui de ne pas augmenter les salaires. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Au détriment de nos familles, au détriment de notre vie, de notre vie sociale, mais de notre reconnaissance. Parce que ça aura un impact sur nos retraites, ça aura un impact sur nos revenus, ça aura un impact sur notre vie future, et sur l'éducation, sur nos enfants, sur nos obligations. C'est pour ça que les Gilets jaunes, il y a 4 ans, ils ont demandé quelque chose sur les essentiels, sur les produits de première nécessité, une TVA à 0%. L'État n'a jamais fait un geste aujourd'hui, et il le continue à ne pas le faire, parce que les énergies sont prises en compte dans ça. Il y a l'alimentaire, les énergies, mais il y a la santé. Et on voit bien aujourd'hui le traitement des indispensables. Je vais vous dire quelque chose. J'ai discuté dans la semaine... Il y a eu un accident sur une autoroute, sur l'A71 que j'ai pris. Il y a un camion qui était en travers. On est resté pendant 4 heures bloqués, nous, les VL. Mais il y a les PL aussi, tous les poids lourds qui étaient là, qui ont dû rester parce qu'ils ne pouvaient pas faire demi-tour. Je discutais, j'en ai profité pour discuter. On a discuté de tout et de rien, surtout de la vie et de la politique et de tout ce qu'il y avait. Croyez-moi que c'était constructif. Aujourd'hui, comment expliquer que des chauffeurs routiers ne peuvent pas faire grève? Parce que s'ils commencent à entamer une grève, ils se font retirer tout leur permis. Pas que leur permis poids lourd, leur permis aussi. Donc permis poids lourd pour leur empêcher de gagner leur vie et de travailler. Mais leur permis VL aussi, tous les permis, moto, que ça soit n'importe lequel. Donc ils ont voté une loi au temps de Sarkozy qui empêche, ce qui bloquerait l'économie de ce pays, par le fait de dissuader les gens à manifester, à s'opposer aux décisions qu'ils ont prises, à simplement dire « mon droit c'est de gagner ma vie, je travaille pour gagner ma vie. Je veux vivre avec, décemment, ce dont je produis », et ce qui est tout à fait normal. C'est comme le droit au chômage. Ils ont déjà réévalué le droit au chômage, ils l'ont limité dans la durée d'indemnisation. Mais c'est une assurance, j'ai payé pour ça, j'ai cotisé, au même titre qu'il a payé pour sa retraite, c'est un droit. On est trompé parce que le jour où on a commencé à cotiser, c'est nos droits qui sont bafoués. Ouais. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, et ils veulent le réviser. Ils veulent réviser tout ce qui est en rapport à de l'indemnité, de choses qu'on a cotisées, les retraites, le chômage, l'assurance maladie. Je suis désolé, mais... C'est le prochain chantier de Macron, d'ailleurs. Ouais. Mais l'assurance maladie, moi, je cotise à chaque fois que je travaille. Je suis jamais... J'ai eu la chance de jamais encore vraiment avoir une grave maladie. Mais aujourd'hui, est-ce que je serai couvert suffisamment et est-ce qu'on pourrait me donner, j'ai le droit d'accéder aux soins que je mérite par rapport à toutes les cotisations que j'ai versées? Ce n'est pas normal. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, l'État ne laisse pas les gens s'exprimer dans le droit de grève, ne laisse pas s'exprimer les gens dans leurs droits. Et à un moment donné, eh ben, la révolte nécessite ce droit. On devrait avoir le droit. Moi, je suis révolté. Et pourtant, j'ai pas tout cassé et je suis révolté. Il y avait un amendement qui avait été voté par une partie des députés. En plus, il y avait des députés Renaissance, hein, donc qui soutiennent habituellement le gouvernement, pour une taxation du super profit. Je crois qu'elle était à 5%. Et ça a été, et voilà, ça n'a pas été repris par le gouvernement. Donc, pour vous dire, en fin de compte, qu'on est face à un gouvernement, mais c'est pas le seul, hein, depuis des années, qui, en fin de compte, gouverne au profit des plus riches. Appauvrit en fait la population française, hein, puisqu'il y a quand même 10 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc à partir de là, je pense qu'on a le droit de se révolter, on a le droit de s'exprimer.
On voit que les députés sont augmentés, les députés sénateurs sont augmentés de 250 euros. Ouais, ouais. Tu peux nous en dire quelques mots sur... Bien sûr, c'est une information qui est partie, enfin qui n'a pas été médiatisée, si j'ose dire, comme par hasard. Les députés ont eu 250 euros d'augmentation. Sénateurs. Donc, moi, je demande en fait au pouvoir public en fait d'augmenter tout le monde de 250 euros. Parce que pourquoi déjà, ils ont un salaire qui est assez conséquent, hein, les députés, il est à 7 000 euros brut, je crois. 7 400. Voilà, 5 400 net, sans compter les frais, hein, parce que les frais sont quand même aussi importants, ils ont les frais de représentation. Ils ont aussi une enveloppe de 10 000 et quelques euros pour les gens qui travaillaient autour. Voilà, et j'aurais bien voulu en fait que la NUPES, moi je soutiens aucun parti politique, hein, faut que tout le monde le sache, mais j'aurais bien voulu que la NUPES, hein, qui essaie de se positionner comme figurant d'opposant, de principal opposant politique, refuse en fait ces 250 euros, ou que la NUPES décide en fait d'allouer ces 250 euros aux gens qui vivent très pauvrement, quoi. Voilà, qu'ils fassent une cagnotte avec ces 250 euros, qu'ils la versent dans une cagnotte et qu'ils fassent sa redistribution. Parce qu'il ne suffit pas en fait de demander des choses, hein, d'essayer d'apparaître en fait comme le Robin des Bois du peuple, si dans les faits en fait on ne le fait pas. Ce qui me choque le plus dans ça, c'est le fait que c'est systématique, ils ne l'ont pas demandé et on leur octroie. Oui. Alors qu'ils ont des salaires quand même élevés concernant la majorité de ceux qui produisent, qui sont indispensables. Parce qu'eux, ils sont pas, pour moi, ils ne sont pas indispensables, les députés, les parlementaires, les sénateurs. Ça, c'est juste, c'est juste une catégorie, de personnes qui bénéficient quand même de largesse. Contrairement à tous ceux-là qui ont aussi des difficultés, mais des difficultés du quotidien, où ils triment, leur boulot, il est dur, où leur espérance de vie, elle est difficile, où ils n'arrivent même pas à gagner 1500 balles, 2000 balles. Et à eux, faudrait qu'ils se révoltent quelque part, qu'ils râlent, qu'ils fassent grève pour pouvoir obtenir cette augmentation. Des gens qui n'en ont pas besoin, on leur donne, on leur octroie sans qu'ils le demandent, systématiquement. Et pourquoi c'est pas la même chose pour l'ensemble de la population? Parce que c'est des élus, parce que c'est des... On les qualifie entre guillemets d'élite. Je comprends pas. C'est pas des privilèges, ça? Moi, je trouve ça révoltant. Ça me révolte aussi. Que nous, avec de bas salaires, on soit obligé de se battre au quotidien pour essayer de l'obtenir et de préserver notre emploi et notre travail et notre salaire par de multiples efforts que je dénombrerai même pas au sacrifice de tellement de choses. Et que eux, sans rien demander, on leur donne 250 euros. Mais là, on voit bien la disproportion qu'il peut y avoir par rapport à une équité sociale. C'est démesuré. C'est sur ça. C'est ce qui a fait sortir les gens il y a 4 ans. C'est pas que le coût de la vie. C'est pas que le fait de pas être entendu. C'est pas que le fait du prix du carburant. C'est pas que le fait des taxes qui sont énormes et qu'on se fait racketter tout le temps. C'est ce sentiment de se faire avoir, de cette injustice et de le fait de vouloir se révolter contre le système qui est injuste. Il n'y a pas d'équité. Et c'est ce qu'on demande. Et on veut que l'humain, il est temps de faire passer l'humain, parce que c'est lui qui est important. Avant les biens matériels, avant la fonction, avant les titres, avant l'argent. On vit dans quelle société aujourd'hui? Ce qui me révolte le plus dans cette augmentation, c'est ça. C'est le fait qu'il n'y a pas d'équité. Il continue à s'élever en s'appuyant sur nos épaules, en s'appuyant sur nous, au détriment de nos droits, de notre santé et de notre bien commun. Ils sont là normalement censés nous protéger, ne le font plus. Ils s'entretiennent au détriment de notre santé à nous et de notre droit à nous et de notre bonne condition de vie à nous. Mais ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas changer les choses, ils ne veulent pas que ça change. Pourquoi ils ont cassé cette grève? Pourquoi ils cassent cette grève des carburants là? Simplement parce que ils veulent que l'économie elle continue à tourner comme ça, que nous on continue à se priver, parce qu'eux ils vivent aisément. Et ils nous promettent des belles choses, ils nous promettent toujours que les choses vont s'arranger. Jamais ça s'arrange. Ça fait que de s'empirer. Et aujourd'hui, quel est notre droit? On vous l'a dit, le droit, il est où? Il est marqué dans la Constitution. Il est là. Il est marqué.
Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est pour toute la population. C'est des droits fondamentaux. On est basé, notre société, elle est basée sur ces droits fondamentaux. Battez-vous. Révoltez-vous. Oui. Refusez ce qu'on vous impose si vous n'êtes pas d'accord. Si on ne le fait pas tous, on n'y arrivera pas. Et comment on va élever nos enfants demain? Donc j'invite tous les jeunes, moi, tous les jeunes à prendre conscience, les jeunes majeurs, je parle, à prendre conscience que c'est leur avenir. Et les choses, elles peuvent changer que par la majorité. La majorité, aujourd'hui, c'est notre avenir, c'est les jeunes. Et on sera là, on ne les laissera pas. Mais à un moment donné, il faut qu'ils prennent à charge la responsabilité qu'ils ont. Parce que nous, pendant longtemps, on a laissé faire et on a laissé des gens s'occuper de nos intérêts, tous ces politiques qui ne font pas le travail, qui ne répondent pas à nos attentes. Pour moi, la révolte, c'est un droit, point. La révolte, c'est un droit. La corde, elle est tellement tendue que je vois pas comment un jour elle va pas céder. Et ce jour-là, il y aura pas de, ça sera pas la peine d'argumenter le droit à manifester ou tout. Ça sera juste le droit à pouvoir faire valoir son droit. Voilà. Un jour ou l'autre, ça va péter. Ça va péter, ça va péter pour tout le monde. Et plus personne ne pourra rien contrôler, parce qu'il y a tout à changer. On a essayé de le faire légalement, on a essayé de les alerter, on a essayé. Le système est trop bon pour eux, ils ne veulent pas le changer. Il faut le faire avec tout le monde. Tout le monde est concerné, à part les privilégiés. Et ceux-là, franchement, ils ne sont pas nombreux, mais c'est eux qui tiennent le pouvoir. Donc ça ne peut pas durer comme ça. À un moment donné, la corde, elle va péter.